Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Paper Trail. On avait fini les ruines et découvert un temple. Allons voir tout de suite à quoi il ressemble. Et voilà le temple. Les décors sont magnifiques. On entre. Allons voir un peu. Boucle-la, Max. C'est juste une fille. Comment elle est entrée? On avait bloqué la porte. Ouais, comment t'es entrée, hein? T'as cassé une vitre? On adore casser des vitres. Ok. Alors, il faut passer par cette porte. Bien évidemment, on va pas pouvoir faire ça. Je vois ces petits symboles là. Est-ce qu'on pourrait pas les relier? Ah, si. On va pouvoir faire ce genre de choses pour ouvrir la porte. Ok, donc des nouveaux mécanismes. Comme prévu, hein, on s'en doutait un peu. Un petit origami ici. Et on va se marrer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mon Dieu. Comment ça marche ce truc? Parce que je peux pas avancer, on est d'accord, hein. Il faut que je puisse avancer. Alors là, je peux avancer, mais ça m'avance à rien. Là, je peux avancer. Jusque-là. Comment je chope cet origami? Ok, ici je vais pouvoir passer comme ça. Ce qui me permet pas d'avoir mon origami. Tout à l'heure j'ai fait ça comme ça. Ça me permet pas de repasser, hein, on est d'accord. Et bien évidemment, si je plie, mon origami se retrouve caché. Alors peut-être que si je vais là, est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent de ce côté-là? Je peux refaire ce qu'on a fait tout à l'heure ici. Je peux rien faire de super intelligent de là. Réfléchissons. Il faudrait que je puisse plier ça en fait. Plier ça comme ça pour pouvoir aller ici. Sauf que du coup, si je plie ça comme ça, je peux pas passer ici. Je vais remettre Pepper là. Et non, 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 c'est pas Pepper que je veux bouger, c'est ça. Sauf que ça. Ah, ça comme ça. Donc si j'arrive à aller ici, je pourrais m'en sortir. Voilà. On va pouvoir aller jusqu'à cet origami. Pierre. C'est une pierre. Ok. Est-ce qu'il faut mieux que je revienne ici? Je vais quand même revenir là. Et ensuite, on va gérer ce truc-là. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Il faut que nous, on avance. Non, 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 c'est pas ce que je voulais, Pepper. Je voulais Pepper. Page. Je voulais
Voilà, je voulais plier, déplier pour que tu puisses aller là. Et qu'ensuite, on puisse aller, voilà, là, devant la porte. Paige est devant la porte. Maintenant, il faut qu'on ouvre cette porte. Alors, j'ai vu tout à l'heure que je pouvais faire ça. Ensuite. Ah, ben ensuite, tout simplement ça. Et il me manque ici un petit bout. Un petit bout, un petit bout. Un petit bout, oui, un petit bout, mais sauf que non, du coup. Sauf que non. Ah, sauf que si. Voilà, de ce sens-là. De ce sens-là. Parfait. Continuons. Alors. Même punition que pour les ruines. On a des formes bizarres. Ok, il faudrait que je monte jusqu'ici. Il va falloir qu'on récupère. Non, 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 tu vas pas là. Il va falloir qu'on récupère ça. Pour monter. Ouais, pour monter, c'est bien ce que je craignais. On va pas pouvoir le faire simplement. On peut pas faire ça. Je peux plier. Donc je peux peut-être tout simplement. Ouais, même tout simplement. Voilà, je plie comme ça. Page monte. Page est devant la porte. Ah, mais peut-être que j'ai un leurre en fait. J'en ai deux. Et il m'en suffit d'un. Voilà. Parfait. Il n'y avait pas d'origami, j'en ai pas vu. Ils peuvent être cachés une fois qu'on a plié. Hein, mais... Donc pareil, on a du leurre. Et il faut aller jusque-là. Ok. Donc, même punition que tout à l'heure, je vais mettre Page devant la porte. Et ensuite, on va essayer de l'ouvrir cette porte. Alors, ça paraît prometteur, sauf que du coup, je peux pas mettre ma Page dessus. Et surtout, il n'est pas allumé, contrairement aux deux autres. Ah, c'était peut-être pas une bonne idée de bouger Page d'abord. Ah. Ça, c'est intelligent. Waouh. Ah ouais, il faut alimenter les... 3 pour pouvoir... Ok, ah oh, punaise. Il faut pouvoir alimenter le bon. Ah ouais. Il y a du level, donc il n'y avait pas d'origami. On continue. Ok, une porte. Je sais pas ce que c'est ce truc. Donc ici, il y a un verrou. Ici, il y a une porte. J'imagine qu'on aura notre clé. Je vois pas d'origami caché, par contre le nombre de passages. Donc l'idée, ça va être d'aller par là. Je vais bouger Page. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais je vais bouger Page. Comment je transmets l'énergie ici? Ouais, c'était pas une bonne idée de bouger Page, à tous les coups. À tous les coups, c'était pas une bonne idée de bouger Page. Ah, oh, punaise, on va devoir faire petit bout par petit bout, ok. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas, aucun intérêt que... Ah si, punaise. Oh là là, mon dieu.
La porte ne s'est pas ouverte parce que la porte était cachée. Oh my god. Comment je fais? Comment je fais? Parce que j'ai... Ah, il faut que je réussisse à alimenter celui-là. Celui-là qui est là. J'étais comme ça. Il faudrait que je puisse remonter. Je vais te bouger, Page. Ouais, là, ça coupe tout. Mais est-ce que... Non, je peux pas. Ok, donc il faut que je me serve de celui-là comme relais. Celui-là, il n'est pas atteignable par 36 solutions. Il est atteignable comme ça. Il manque... Voilà. Donc maintenant qu'on a alimenté celui-là... J'ai fait comment tout à l'heure? J'ai fait comme ça. Sauf que du coup, ça ne marche pas en fait. Il faut que je puisse... Voilà, allez, de la porte à lui. Wow! Ok, une clé, un origami. Et on retrouve nos petits copains, les cubes, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Faut que j'avance encore un peu plus avec Page. Pour qu'il recule, pour qu'on chope l'origami. Ours! Mal léché! Je m'applique quand je me lève pourtant! Et ensuite, bah, récupérer cette clé. Pour pouvoir revenir ici. Du coup, on n'a pas besoin de la porte. Sauf si on laisse Page de l'autre côté comme des patates. Voilà, donc on sort Page. C'est quand même mieux. C'est quand même assez ouf. On ouvre parce qu'on a la clé. Et on retrouve les petits malins. À l'aide, je suis coincée! Ouais, Max, t'es tout le temps coincée. Non, c'est pour de vrai cette fois! Bien sûr, Max, tu le dis! Ok, et toi, t'as rien à dire? Ce gamin s'attire toujours des ennuis. Ça m'étonne qu'il ait tenu aussi longtemps par ici. Ok. Bon bah le plus simple semblerait de plier, sauf que bien sûr il est dessus. Donc je vais pas pouvoir le plier sur la tronche. Enfin un peu, mais je peux pas récupérer ici. Alors, avançons un peu quand même. Ah, ok. Ah, et là. Je n'avais pas vu les symboles. Là aussi. Et là aussi. Ouah, cool, je suis libre! Merci pour le coup de main, fille fantôme. Tirons-nous d'ici! Ah, vraiment bien joué. C'est très joli. Qui a éteint les lumières? C'était tout noir pendant une seconde.
Regardez cette statue! Je veux dire, c'est assez cool, j'imagine. Bah oui, je t'ai un peu plié le monde dessus. Ah, et si je déplie, elle reste allumée. Vraiment, vraiment cool. Bien évidemment, on complique les choses, hein. On a une petite statue. Et c'est notre petite statue. J'ai l'impression qu'on va devoir la pousser là pour qu'elle puisse alimenter le reste. Et on a un petit origami juste là. Il me faut un 4. Ah, bien évidemment, le 4 est de l'autre côté. Ça. Ah oui, le 4 est de l'autre côté. Faut que je trouve un moyen d'aller de l'autre côté. Je peux descendre ici et pousser ma statue. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir. Ah ben non, je peux plus parce que ma statue est là. Tu me casses les cacahuètes, statue. Ah oui, donc il faudrait que je la pousse un peu plus. Et pourquoi ça veut pas se plier? Ah oui, ça ne peut pas se plier plus. Donc si je veux mon origami, il faut que je recule encore d'un avec ma statue. Et je peux pas passer. Et je peux pas passer. Bien évidemment, je peux pas passer. Comme quoi, l'origami était pas si simple. Est-ce que je peux faire des choses? Je peux pas plier assez pour obtenir de l'électricité ici. Par contre, je peux en obtenir là. Je peux en obtenir là. Je peux en obtenir ici. Ok, ça m'allume ça. Cool. Cool. Sauf que je voudrais toujours avoir mon origami dans l'histoire. Hey, je peux pas la. Pourquoi je peux pas la. Ah oui, je peux pas la bouger plus parce que j'ai plié ici. J'étais en train de me dire pourquoi je peux pas bouger plus ma tuile. Je t'ai déplié pourtant. Je peux plus te plier plus. Quelle est cette arnaque? Ah oui, parce que j'ai plié là aussi. Oh! Du coup, si j'imagine que si je bouge la statue d'une manière ou d'une autre, ça s'étend. Ça s'éteint, mais vu que ça a été alimenté une fois, c'est suffisant en fait. Ok, donc en fait, je vais pouvoir la gérer. Ce qui veut dire qu'il faut que je l'avance. Attends, il faut que je gère ma statue en même temps, quoi. Sérieux? Que je peux la mettre genre par. Non, je peux pas la mettre genre par là. C'est vraiment au milieu milieu. Je peux pas la baisser. Donc. Ouais, sauf que là, la statue me gêne. La statue me gêne, la statue me gêne. Et même si je la pousse. Derrière, je peux pas replier. Par contre, je peux peut-être faire en sorte que je pousse ma statue, que je l'emmène avec moi et que je récupère mon origami.
lapin. Parfait. Du coup, même punition, mais dans l'autre sens. Pour repartir. Ok. Donc encore une forme un peu tarabiscotée. Trois entrées. Ok, j'imagine que je vais pouvoir faire ce genre de choses. Ce qui est très bien, ce qui me permet pas du tout d'avancer avec Page. Hein. Puisque mon pliage ne correspond pas. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est que comme tout à l'heure, une fois activé, ça se désactive pas. Par contre, moi je voudrais pouvoir passer. Je peux passer ici. Mais je peux pas passer là. Là, ça n'a aucun intérêt. Après, est-ce que si je vais ici, ça me débloque quelque chose? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Et je peux pas plier plus. C'est-à-dire que j'ai aucun moyen de récupérer le milieu. Tout doit être lié aux petites malines là, aux petites. Ouais, ici je peux plier que comme ça, ce qui m'arrange. Ridiculement pas du tout. J'imagine du coup, si je réussis à alimenter peut-être ces choses-là, je vais peut-être avoir des choses qui se débloquent. Mais là, pour l'instant, je vois déjà pas trop comment y aller. Alors, est-ce que... Bah non, si je plie dans un sens ou dans l'autre, j'ai... Ici, j'ai un moyen... Mais si je replie... Ah si... Ben non, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ce qui est cool. Mais qui m'aide pas plus que ça. Si à la place de faire ça, je fais ça. Mais il me faudrait quelque chose qui... Un coin. Le problème, c'est qu'ici, les coins, je peux les... Alors... Pour alimenter cette chose-là... Je peux pas utiliser ici. Il va falloir que je trouve un moyen. J'ai aucun moyen de faire arriver quelque chose là. Oui, mais j'ai celui-là aussi que j'ai alimenté. Est-ce que je peux pas. Est-ce que je peux pas. Est-ce que je peux pas faire quelque chose avec ça? Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je peux pas plier plus. Et je peux pas plier plus. Ici, il n'y a rien qui m'arrange. Du coup, réfléchissons. Je suis forcément... comme ça.
Et je dois trouver quelque chose qui pourrait me permettre d'arriver de l'autre côté. Sauf que... Sauf que y a rien d'évident. Et y a rien d'évident pour faire traverser Page hein, non plus. Comment on peut faire ça? Est-ce que celui-là... Que ce soit celui-ci ou celui-là, on voit bien qu'on va être un peu... Je veux pas dire coincé, mais qu'on va être obligé de les faire arriver comme ça. Or... Je peux pas non plus plier des masses... Non mais, est-ce... question. Si je plie à fond... Ah! Il manquait juste un petit... Sérieux, il manquait juste un petit coup de ressort. Je suis juste pas allé assez loin en fait. Il manquait juste le... Oh, j'avais pas vu que c'était des plateformes mouvantes. Ok. Oh bah top top. Et du coup, on va, je pense, s'arrêter là. On va aller regarder ce qui nous attend. Encore des statues, encore des plateformes mouvantes. Mais je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Et on fera la suite lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!